Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test enfin du Black Goku Endurance à 100%, enfin du Black Goku Endurance ZTUR pardon à 100%, donc ça fait plaisir. Alors ce ZTUR a pris un up colossal, vous allez voir ça, il est vraiment vraiment très très fort. Regardez ses stats à 100%, quasiment 20 000 PV, excellent. 18 100 au niveau de l'attaque et 10 500 pour la défense. Il est plus fort sur la globale que sur la jab, puisqu'à l'époque, quand il était sorti, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, il y avait eu des modifications, des meilleures stats et le Ki plus 3 en passif toujours. Alors, sur l'aspect, qu'est-ce qu'on a? On a des dégâts immenses et on réduit fortement l'attaque et la def, c'est énorme en Battle Road. En Goku Rush, c'est bien pour le début. Qu'est-ce qu'on a sur le passif? Ki plus 3 pour la classe extrême toujours, ça change pas, pardon. C'est un nuker, attaque et def plus 15% à chaque sphère de Ki obtenu, excellent. En plus de ça, Ki plus 1 à chaque attaque encaissée, donc on n'aura aucun problème à ce niveau-là. Si vous affrontez un ennemi famille de Sangoku, vous changez les Ki aléatoirement en sphère de Ki arc-en-ciel et vous avez en plus attaque et def plus 5% supplémentaire à chaque sphère de Ki obtenu. Donc en face du Goku Rush, comme là, ça va être le cas, attaque et def plus 20% par sphère de Ki, complètement fumé. On va le jouer à côté de Black Goku Rosé puissance. Alors on va pas faire tout le Goku Rush bien entendu, parce qu'avec Black Goku Rosé ça va pas être possible, mais ça va être très fort. Et puis donc vous allez voir, c'est parti pour son petit test. Et vous allez voir qu'il est passé de mauvais aujourd'hui, honnêtement faut le dire, aujourd'hui il était mauvais, il est passé de mauvais à très très fort. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'on va pouvoir le tester sans le Black Goku Rosé au moins une fois, histoire de voir un peu sa def etc, parce qu'autrement si on le voit pas sans le Rosé, ça peut, c'est pas faussé parce que c'est le jeu, mais voilà. Alors ici on n'a pas énormément de... Ah bah si, parce qu'il change les sphères de Ki, mais excellent, excellent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme lien? On a combat acharné et je crois que c'est tout, non? Oui, on a uniquement combat acharné, donc c'est pas bien grave. Au niveau de la défense sans Rosé, on est sur du 46 000, c'est pas ouf, mais on va récupérer 5 sphères de Ki ici, attaque et def plus 20% par sphère de Ki obtenu, on est déjà sur du 93 000 sans Rosé et sans Big Bad Bosses. Imaginez ça, on est sur du 92 000 sans Rosé puissance, 50% pour rappel en plus de défense, vous allez voir après ça va être phénoménal. Et sans Big Bad Bosses, donc les valeurs qu'on va pouvoir atteindre quand on affronte un ami famille de Sangoku, ce Black Goku Rosé, je vous le dis direct, il est largement meilleur en Battle Road que le Black Goku Intelligence, que j'ai à 90%, donc c'est quasiment la même chose au niveau de l'arbre. Par contre, et je dis bien par contre, en Goku Rush, certes, le Black Goku Intelligence est meilleur, mais lui, il fait pas pâle figure, hein. Vraiment, il est quand même excellent en Goku Rush, faut juste faire un peu attention face au Migaté, puissance, pardon, mais une fois arrivé au Migaté Intelligence, il le détruit, mais tous les jours. Mais déjà, quand vous affrontez un ennemi lambda, il est fort, mais contre un Famitsu Sangoku, alors là, attaque et def plus 20%, quand vous avez des stats de ZTUR à 100%, forcément, c'est trop fort. D'ailleurs, en parlant de ça, ça tombe bien, parce que là, on n'a pas Big Bad Bosses, chose intéressante quand même à prendre en compte. Regardez, avec Black Goku Rosé, on passe de 46 000 à 70 000 minimum. C'est trop fort. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sphères de Ki. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est exactement la même chose, je préfère prendre les vertes quand même. On est sur du, voilà, 144 000 points de défense. Et du coup, on va voir un peu à combien on va partir, parce qu'on a quand même 362 000 de valeur d'attaque sans Big Bad Bosses. On va dépasser les 2 millions très facilement, voilà. 2 600 000, en plus on réduit fortement l'attaque, donc autant vous dire que, ouais. Ce Black Goku ZTUR est devenu très très fort, notamment Battle Road, encore une fois, en Goku Rush, même s'il est pas mauvais, sur la fin c'est un peu tendu, faut quand même faire attention. Oh, mais du coup, j'étais en train de penser à un truc avec ce Black Goku. Alors, je vous dis rien, parce que ça sortira, je pense, dans la semaine, en fin de semaine. Mais, ah oui, ça peut être très intéressant, ça. Ah oui, en effet. Bref, on passe au tour suivant. Alors, du coup, le tour suivant. Est-ce qu'on peut changer des... Oui, bien, mais bien. Mais non, mais en fait, son changement de sphère de Ki, c'est trop fort, parce que ça lui permet de récupérer toujours un peu plus de sphère de Ki. Alors, on est passé de 8 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, bah écoutez, ça ne change rien ici. Ah non, je vais mettre... oui. Oui, 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 oui. Ah non, je vais perdre une sphère de Ki, là. Ah, ça, c'est caca, ça. Ah, si. Non, je vais pas activer Big Bad Bosses maintenant. Quand même, on déconne pas. Mais en même temps, après, c'est le même tour. Non, si, on va mettre Black Goku en première position. Alors, bon, on a 6 sphères de Ki, ici. C'est un peu moins, mais on est quand même sur du 125 000 points de défense. Et on va sans doute activer Big Bad Bosses, parce que là, on va prendre 2 attaques à contre-type sur le Rosé. Et là, vous allez voir, une fois que Big Bad Bosses est activé, autant essayer de garder Big Bad Bosses, bien entendu, parce qu'attaque et def plus 25% en plus en lien, c'est trop fort. Vous allez voir un peu à combien il va partir. Donc là, voilà. Là, on a Big Bad Bosses activé et on est sur du 2 700 000 avec 2 sphères de Ki en moins. Et là, voilà, quand on est quasiment à 3 millions de valeur d'attaque, qu'on a 150 000 points de défense, parce qu'on l'a pas vu, mais Big Bad Bosses, sa défense a augmenté, et qu'on réduit fortement l'attaque tant que c'est possible. Regardez, on prend une attaque à contre-type sur Trunks, mais voilà, on a debuff grandement l'attaque, et le Goku Rush, même au début, ça frappe fort.
Et ce qui est bien en plus avec sa réduction de l'attaque de l'ennemi, c'est qu'il carry un peu toute la team, hein, parce que quand vous réduisez fortement l'attaque des adversaires, voilà, Mirai Gohan, là, il est qu'à 2 stacks au niveau du debuff, enfin au niveau de la réduction des dégâts, et il est quand même bien tanky. Alors ici, avec Big Bad Bosses minimum, voilà, en fait, voilà, une fois que t'as Big Bad Bosses, t'es sur du 90 000 points de défense minimum, c'est beaucoup trop fort. On va récupérer que 4 sphères de ki, on va voir un peu ce que ça donne avec ça. On est quand même sur du 300 000 de valeur d'attaque, 133 000 avec seulement 4 sphères de ki, c'est énorme. On va encore debuff fortement l'attaque, hein. Là il a encore l'attaque réduite, donc là double debuff, on est quand même sur du 2 100 000. Donc ce Black Goku en fait à côté de Rosé, bien entendu à côté de Rosé, hein, on est sur du 2 millions minimum, plus de 120 000 points de défense minimum, que demande le peuple. À ce stade du Goku Rush, on peut toujours debuff, ce qui est plutôt plaisant, et là, oh là là, oh oui, là on va avoir pas mal de sphères de ki, encore une fois 90 000, on va le faire partir en première position, on a combien de sphères de ki? 3, 6, 9, 11 sphères de ki, attaque et def plus 220%, oui c'est bien ça, donc c'est complètement fumé, sa défense, on va passer, voilà, 200 14 000 points de défense, c'est énorme, regardez sa valeur d'attaque, 534 000, mais là on va monter à 4 millions quasiment, surtout que Rosé, alors certes l'augmentation des dégâts sur l'aspect n'est pas énorme, hein, c'est de l'ordre de 100 000 en plus ou 150 000 en plus, donc c'est pas énorme, mais quand même, d'ailleurs 2 millions avec lui, on est sur du 4 millions de valeur d'attaque en réduisant fortement la, enfin bref, je vais pas répéter à chaque fois le truc, mais il est complètement fumé. Il est complètement fumé ce Black Goku, vraiment, il a pris un up colossal. Même s'il n'augmente pas sa défense à l'infini, son nuke est tellement fort face à un ennemi de famille de Son Goku, justement, qu'en Goku Rush, il pose pas de problème. Il ne pose pas de problème. Bien entendu, je préfère l'intelligence en Goku Rush, hein, comme je vous l'ai dit, mais quand même. Chance pour nous, on a réussi à garder tous ces sphères de ki rouges. Oh là là, oh oui, oh ça va être monstrueux encore une fois, je suis désolé, hein, mais il est vraiment très fort. Et quand même, 77 000 pour lui avec un doublon, c'est pas mal, hein. Du coup là on récupère encore une fois 11 sphères de ki, mais cette fois on n'a pas Rosé en première position pour augmenter un peu les dégâts. Donc on va voir, on va passer ici de 3 900 000 tout à l'heure, 3 950 000 il me semble, à, bah on va bien voir. Et du coup on va voir l'augmentation de Rosé sur l'aspect, forcément. Au niveau des dégâts, bah on prend rien forcément, hein, 214 000 points de défense, ça nous picouille un tout petit peu. Et on monte à 3 770 000, donc... l'augmentation des dégâts de Rosé, c'est un peu moins de 200 000 sur l'aspect. Je vous ai dit, c'est pas énorme la différence. C'est quand même ça, mais c'est pas énorme. Et d'ailleurs, avec le crit, il fait trop mal. Alors là, du coup, on a perdu Big Bad Bosses, ce qui ne m'arrange absolument pas. Mais encore une fois, bah, on va sacrifier un peu notre petit Rosé. Finalement, Rosé, en fait, c'est pas plus mal qu'il soit mauvais, entre guillemets, en défense. Alors aujourd'hui, il est mauvais, hein. Faut se dire, en défense, il pue la merde, Rosé. Puissance, hein, on va le dire, hein. Il se fait éclater en Battle Road, en Goku Rush pareil. Mais c'est pas plus mal parce qu'il apporte tellement à la team. Qui peut se permettre de faire perdre des PV pour activer Big Bad Bosses. Moi, je trouve ça plutôt être un avantage en vrai, parce que là, voilà. Alors là, on va se faire par contre détruire très très. Ah oui, alors là, bon, je m'attendais pas à ce que je prenne double spé comme ça. Hein. J'ai pris une spé juste avant, il y a pas longtemps, donc logiquement, l'aspect aurait dû être en fin de ce tour-là. Malheureusement, c'est pas le cas, mais bon, c'est pas bien grave. Au moins, Big Bad Bosses, là, on est sûr qu'il est activé. 2 700 000 avec. J'ai pas bien vu combien de sphères de ki obtenu. Je voulais voir un peu la régénération qu'on aurait pu avoir avec ce Black Goku grâce aux sphères de ki de notre couleur. On va pas pouvoir voir ça maintenant, malheureusement. Mais je pense que ça peut être correct. Ça va, le Goku 3. Par contre, là, tu mets des spé toutes les deux attaques. À un moment donné, faut se calmer. Merci bien. Oh, j'ai une idée pour la fin de ce tour aussi. Oh, vous allez voir, alors ça va être complètement con, mais à la fin de ce tour, j'ai envie de vous faire un truc. Oh, alors oui, ça va être n'importe quoi, mais il faut que je vous le montre. Donc, restez bien jusqu'à la fin, le dernier tour, ça va être n'importe quoi. Bon, la défense, très rapidement, hein, 87 000, hop, on prend tout ça, j'ai pas vu, on devait avoir 9 sphères de ki, 180 000, donc même avec 9 sphères de ki, c'est complètement fumé. Voilà, tac, et tac, et en vrai, bah je pense qu'on va passer directement au tour balèze, hein. Le tour dont je viens de vous parler, ça n'a aucun sens, vous allez voir, mais j'ai envie de voir ça, ça va être fumé, vraiment, ça va être fumé. Donc, je disais, le tour complètement stupide que j'avais en tête, c'est celui-là. Vous voyez 8 Russes en face, qui n'a rien à faire, bien entendu, dans la Team Saga du futur. Mais, pour le délire, on va voir ça. En plus de ça, oh là là, oui. Oh là là, oh là. Ah, bon. Ça va être très très beau. 3 700 000, c'est pas mal. Et donc, avec 8 Russes, bah voilà, on se retrouve dans ce genre de situation. 79 000 points de défense, pourquoi 79 000? Je me suis fait des buffs ou quoi? Ah non, 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 j'ai moins de... Oui, non, mais c'est vrai. Alors, regardez la régénération, 150 000, on passe à... Voilà.
c'est n'importe quoi. 250 000 points de défense, on perd pas Big Bad Boss 6, non. On est à 702 000 au niveau de l'attaque. Imaginez si j'avais récupéré encore plus de kills, ce qui est déjà pas mal. Et là, on monte à... Voilà, 5 millions les amis, donc alors Wirus n'a aucun sens, mais c'est juste pour le délire. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir si c'est le cas avec le petit pouce bleu comme d'habitude. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, le YouTube est dans la description si vous souhaitez me soutenir gratuitement et moi comme d'habitude. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.